Hello, and today we are going to come back on a rather extraordinary watch, the Supersonnerie by Audemars Piguet. And to be more precise, we will focus on its chiming mechanism and some of its very innovative acoustic features, since AP opened their doors to us and let us see some of these watches currently in production, and we are talking very small numbers per year. The Supersonnerie was first seen as a non-sellable concept watch in 2015 at the SIHH and was presented as the RD1. It was then actually launched the following year, still in the same case, and was known as the Royal Oak Concept Supersonnerie. And this year, well, we have seen this movement encased in a more classical Jules Audemars timepiece. The goal of this development was threefold. Well, first, AP wanted to create a waterproof minute repeater watch, something that goes against all established principle, as you need the sound created within the case to escape outside of it to hear it well. This is something that had already been tried, but with mixed results, precisely because of the sound being entrapped. Well, secondly, and in contrast to what I've just said, AP wanted exceptional sound quality with a clear tone and unprecedented volume for a chiming watch. As simple as that. And thirdly, they wanted the chiming mechanism to be as secure as possible, meaning that you could operate your watch more or less the way you want without the risk of damaging such an intricate mechanism. But today we will focus more on the acoustic dimension of this watch, because for those of you who heard it in real, well, it's simply put quite impressive. So let's meet Giulio Papi and Lucas Raggi, who will explain us the challenges faced and the clever and innovative approach they followed. Une répétition minute, en fait, c'est un cadran acoustique. Et là, on va délecter un autre sens qui est l'oreille. Et c'est quelque chose, enfin c'est un sens qui est autant important que la vue. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ces fonctions-là, mais c'est largement encore apprécié par les personnes qui aiment la musique et qui aiment entendre une information plus que de la voir. Et c'est un instrument musical qui doit créer vraiment une cadence, hein, de coups, de frappes, pour donner l'heure, l'écart, le nombre de minutes. Et ici, il y a toute une partie donc, de la mécanique qui doit être très précise et régulière. Et ensuite, il y a toute la partie de mise en son ou de création, générer un son agréable. Et notre problème à nous, c'était de comment régler maintenant ces timbres. Parce qu'on n'a plus tellement de ces horlogers avec l'oreille absolue. Donc c'est ça le début de l'histoire de la Supersonnerie, c'est ça. Donc on a contacté pour cela les PFL, hein, le Polytechnique de Lausanne, pour nous aider à résoudre ce problème. Alors le problème a été au début d'identifier les paramètres qui faisaient qu'un son était perçu comme beau et de réussir à traduire ces paramètres en cibles que l'on pouvait obtenir techniquement par production des timbres de sonnerie. On a eu une approche avec une personne qui a écouté les sons et classé ces sons parmi un échantillon de personnes dites expertes. Et puis de l'autre côté, on a dû développer des techniques de mesure qui n'existaient pas et qui étaient appropriées à l'application qui nous intéressait. On a développé des techniques de mesure inspirées du génie civil, comme par exemple la vibrométrie laser. Dans un timbre, ce que les maîtres horlogers tentent de faire, c'est d'optimiser le rapport entre ayant une amplification du son la plus grande possible et la durée de résonance du son la plus grande possible. Pour ça, ils affaiblissent des parties qui s'appellent le talon, qui sont à la base du timbre, en réduisant la géométrie. Cette réduction de géométrie est extrêmement difficile à reproduire et il faut avoir une oreille experte pour réussir à obtenir cet optimum. C'est plutôt le système micro-ordinateur logiciel qui va analyser le son et qui va dire à l'horloger comment régler le timbre, où limer, à quel endroit, la quantité de matière à enlever, ainsi de suite, pour obtenir justement les fréquences données. Donc en fait, en réalité, on est toujours dans la répétition minute classique, mais nous l'avons, fiabilisée, rendue plus agréable avec le silence d'écart, ou plus fiabilisée en rendant impossible la mise à l'heure durant la sonnerie. Et le troisième brevet, qui est cette encre régulatrice dite silencieuse.
et surtout un réglage beaucoup plus régulier et un meilleur accord entre les deux tonalités, parce que quand elle sonne l'écart, il y a deux tons, et un meilleur accord entre les deux tonalités pour rendre tout à fait agréable les choses. With traditional minute repeaters, the gongs are fixed to the main plate of your watch. But with the supersonnerie, the gongs are actually attached to a kind of soundboard. This is really the novelty. And these gongs then transmit their vibrations directly on this soundboard, which acts like the upper body of a guitar. Et nous avons séparé la fonction de sonnerie en plaçant les timbres sur une partie appelée table d'harmonie qui elle-même sert de séparation avec une cavité non étanche par laquelle le son va pouvoir s'échapper. Et donc cette table d'harmonie couplée au timbre permet d'avoir un instrument de musique, si on peut dire, ou une fonction de son entièrement dédiée. Et donc on utilise des timbres en acier et cette table d'harmonie est en titane, principalement pour des raisons de résistance à la corrosion ainsi que sa qualité d'amplification du son. Tout a été correctement calculé, scientifiquement, mesuré, etc. Et le résultat est qu'elle a sonné beaucoup plus fort de ce qu'on imaginait, mais vraiment beaucoup plus fort. Et la boîte, du coup, elle ne vibre pratiquement plus. Alors, la boîte, on peut la faire en or, en acier, en titane, ou en plomb, ou en platine, comme vous voulez. Ça n'a plus du tout d'influence sur le volume sonore et ni sa qualité. On n'a pas conçu le mouvement exprès pour cette supersonnerie. C'est l'évolution d'une répétition minute tourbillon que l'on avait conçue déjà en 1996. Mais je pense que le développement de la supersonnerie, tout compris, je pense que ça nous aurait pris 7 ans pour faire 15 exemplaires par année. Alors aujourd'hui, on a effectivement résolu le problème du passage de la montre de poche à la montre bracelet en termes d'acoustique. Bien sûr, ça ouvre un champ nouveau, ça permet de l'employer dans toutes nos montres à sonnerie. Et ça nous permettrait de jouer avec quelques notes de timbre un peu différentes de ce que l'on fait aujourd'hui. Puis on s'est dit, on pourrait peut-être enlever le tourbillon, enlever le chronographe, puis de faire une répétition minute simple avec le système de supersonnerie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc gentiment, on est en train d'étendre cette technologie à un peu toute l'idée de la répétition minute, voire pourquoi pas de la grande sonnerie aussi, parce qu'on est capable de fournir des grandes sonneries. Puis maintenant, l'idée, c'est de réduire l'épaisseur de tout ça pour aller refavoriser un peu plus l'élégance. Donc bien sûr qu'on va... C'est le début d'une histoire, là, on va continuer le développement, je dirais. On n'est plus en recherche, mais on est en développement. So this idea of having this soundboard to augment the volume of each chime and improve the sound properties seems pretty straightforward when you think about it right now. But it definitely wasn't the case when AP started the development of this supersonnerie. This technology and the patents behind it will give Audemars Piguet an undeniable technical advantage in making their timepieces chime louder than anybody else, and this for a foreseeable future. So can't wait to see where this will lead them to. And again, just fantastic to witness that we haven't heard it all, seen it all in watchmaking. So still plenty of surprises to come up with. All the best, see you real soon.